Ravi de vous retrouver ce matin pour ce nouvel épisode et une première guerre contre la France qui tout d'un coup est devenue plus compliquée avec l'arrivée de la République des Deux Nations. Mais bon, ça m'inquiète que moyennement. Là, on va se battre. Je pense qu'on va gagner, honnêtement. Bon, j'espère quand même. Et après ça, faudra espérer qu'ils ramènent pas trop de troupes, mais normalement, ça devrait bien se passer. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va finir par débarquer en Amérique du Nord. Il faut vraiment que je les aide parce que ça commence à se gâter. Ah, c'est même, ouais, c'est quand même complètement mort, on va le dire. Ok. Et là, on va continuer. Je pense qu'on va aller faire le siège. C'est ce qu'il y a de plus important. On va peut-être laisser quelques troupes au passage en avançant. Ok, bon là on est pas mal. Il faut que j'évite de perdre des batailles, évidemment, ça va être ça qui va décider surtout du score de guerre. Comme on ne fera pas de paix séparée pour l'instant, on va constituer un réseau d'espionnage. Ouais, ça avance bien sur eux. Ok, bon bah j'espère que ça va bien se passer maintenant. Question science, c'est dans 10 ans, on doit pouvoir dépenser quelques points. Ouais, on va pouvoir dépenser quelques points. Pas administratif, malheureusement, parce que, enfin, malheureusement, on a la doctrine à augmenter, à faire. Ok, alors eux, ils peuvent continuer là pendant qu'eux, ils vont comme ça. Ok. Alors, ce qui m'inquiète, c'est là. Ouais, c'est bon, ça devrait bien se passer. Faudrait que j'aille sur Chamar là. On va y aller comme ça. Ok, ça on s'en fiche. J'espère qu'on va pas avoir trop de troupes. Oh merde, ça par contre ça va être chiant. On va d'abord faire fuir ceux-là, je pense. Ok, donc là on a bien gagné, même si je trouve que bon, on a perdu des troupes un peu plus que je pensais. C'est pas grave, on va de ce pas aller faire le siège là-bas et celui-là aussi. Eux, du coup, ils vont vite se faire reprendre ça, mais on va surtout se reculer un peu pour se retirer un peu pour essayer de. Merde, là, ça va poser problème. Je crois qu'il faut que je gère ça d'abord. Le but, ce serait d'éviter de se prendre un assaut de la République des Deux Nations. Ça serait plutôt cool. Parce que je pense ils finiront par revenir évidemment. Merde, là on va louper le coche. On va faire de la marche forcée, même si j'aime pas ça, parce que pour le coup on n'a pas la réduction qui fait que ça nous coûterait zéro. Donc j'aime pas trop ça, mais bon là faudrait vraiment que j'arrive. Ok, là on va aller se prendre ça. Là on va aller là. Faut vraiment qu'on aille à 10% avec les Français. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. Alors du coup, comme je peux pas trop m'occuper des révoltes, là il va falloir que je fasse gaffe. Ça c'est quoi? Banjar, Banjar. Banjar c'est en Asie ça, il me semble. Ah merde. À la rigueur, on va se mettre sur place peut-être. Ou alors on sacrifie un petit peu de revenus pour pas que ça nous emmerde trop. Pazer. Bah Pazer, en l'occurrence, c'est juste à côté. Ok, on va faire ça. Donc ça, c'est réglé. Celui-là, Djéné. Oh, j'ai peur que ça tombe mal, ça. Eh merde. Alors là, il y a un fort. On va essayer de les calmer. Il y a un fort. J'espère que ça va tenir. Parce que là, j'ai plus personne à la maison, on va dire. Donc c'est un peu problématique. Ouais, là, on va se mettre là. Ok, donc ce qu'il faut qu'on fasse là, on va rapidement prendre toutes ces provinces. Et après. On va se replier pour pas être surpris par une armée de la République des Deux Nations qui pourrait nous tomber dessus un peu à l'improviste. Là, on va se diviser.
qu'on aille gérer ça là. C'est un peu chiant, j'avoue. 14 et 7, c'est pas mal. Je pense qu'on va avoir une paix avec. Là, on va se diviser. On va avoir une paix avec les Mamelouks assez rapidement en fait. Ça devrait pas poser de problème. Et merde, c'est quoi ça? Ah, ils sont pas rentrés au port alors que. C'est parce qu'il y avait un navire qui était tout seul. Ça, c'est très très chiant, j'avoue. C'est pas grave. Ok, donc là on prend ça vite fait. Et je pense qu'on va obtenir une paix assez rapidement. Ok, là on va récupérer quelques troupes. Parce que j'avoue ne pas en avoir assez, je pense. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup de troupes. Normalement, j'en ai 29 000. J'aurais pu prendre ces 2000 là au passage. Est-ce que je peux pas traverser là tout simplement? Ah si, c'est cool. On va faire la jonction. Est-ce que je pourrais faire quand même vite fait? L'armée, elle est composée comment là? Ouais, je peux faire deux d'artillerie en plus. Juste au cas où, parce que ouais, je pense qu'on est pas mal en cas de bataille, mais j'aimerais vraiment m'assurer de la victoire. Ok. Ça, c'est bon. Donc là, on va se replier. Plutôt de quel côté? Le problème, c'est qu'on n'a pas les deux côtés. On peut pas passer. Enfin, là, en ce moment, on peut passer, mais. J'aurais préféré avoir cette pointe-là vraiment pour moi. Ah merde, ça c'est chiant. On va envoyer cela. Bon, on est déjà à 9 avec les Français, donc c'est bien, ça progresse. Donc ça, on peut se replier derrière le fort là, à la rigueur. C'est pas une planque trop mauvaise. Ouais, je perds de l'argent là, forcément, j'ai trop d'armées. Je pense que si on a une grosse bataille. On va essayer de supprimer 5 000 hommes. Ah, il ramène de plus en plus de troupes là. Je vais peut-être être obligé de venir chercher des renforts en fait. Je suis qu'à moitié rassuré. Bon, ça, je m'en fiche. Non, il faudrait vraiment que ces deux provinces-là tombent et je pense qu'on aurait la paix. Avec les Mamelouks. Ok, donc ça c'est cool par contre. Du coup, on va se replier vraiment. Si on peut prendre ça, on aura peut-être même une paix séparée. On va se préparer en supprimant ça. 45 jours, ouais. On y reviendra sur eux de toute façon. 20 000, hein, je suis pas sûr que ça suffise. Ok, donc ça c'est cool. Là, il faudrait vraiment que ce fort-là tombe. Ou alors peut-être qu'on peut déjà. On est à 42. Il nous faut pas grand-chose sur eux en fait. Malheureusement, j'ai mis les Hadramaout. Là, ils sont là, mais j'ai pas pu. Ils sont pas co-belligérants, donc ça va nous coûter bien cher. Alors, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a ça, et puis. Non, non. On va essayer d'en prendre, mais. Ok. Donc déjà, ça c'est la prise de base. Et après, si on peut rajouter. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Sada, non. Ça, pourquoi pas. Ouais, c'est pas terrible, j'avoue, mais. Je crois que j'ai pas trop le choix parce que c'est compliqué. D'avoir à la fois les Français et. On va essayer de remonter là. Pas avec tout ça en fait. Ceux-là, on les laisse là. Et là, j'ai 20 000 hommes. Je sais pas où ils sont, putain. C'est ceux-là. Qui peuvent essayer de remonter par là. Ça m'énerve un peu que ce fort-là soit pas tombé, mais. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ok, là ça donne quoi? 21 000, c'est déjà un peu mieux, mais s'il ajoute les deux, là franchement je me prends une grosse claque, donc ça m'inquiète un peu. Je sais pas trop quoi faire, j'avoue. Peut-être qu'on pourrait prendre la moitié de ceux-là. Allez les gérer et revenir. Bon, eux, on les a laissés filer, mais comment on va signer la paix?
Putain, c'est pas passé quoi, j'hallucine parfois. Bon, ils sont pas prêts de réussir leur siège, hein. Le problème c'est qu'ils ont repris toutes les provinces là, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Je pense qu'on va faire ça, on va sauter sur les Français avec ce qu'on ramène là. Et on repartira dans l'autre sens. Illico presto. Ok, donc là, là par contre, je pense qu'on a une paix séparée avec eux. Ils étaient alliés. Voilà, bon, c'est pas essentiel. Mais ça fait toujours plaisir. Avant de signer la paix avec les Mamelouks, j'aimerais bien passer le Sinaï. Sinon, on risque de se retrouver coincé. Ok, donc ça c'était un peu prévu. Non, non, pas du tout ici en fait. C'était à côté que c'était prévu. C'est pas grave, du coup ça va quand même gérer. Là on va embarquer. Et on va leur réserver une petite surprise. Ok. Par contre, est-ce que j'ai... Non, c'est pas grave. J'ai... Peu importe. J'allais dire une bêtise. Je sais plus ce que j'allais dire. Est-ce que j'ai sorti... Voilà, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que j'ai sorti les deux d'artillerie là parce que je les ai... Pas vu arriver, non, c'est relativement long évidemment. Ok, donc ils peuvent attendre là. Ce serait bien que les Français passent dans le jaune avant de signer une quelconque paix évidemment. Eux, on va le rejoindre parce que laisser une armée de 2000 hommes comme ça toute seule, c'est moyennement une bonne idée, forcément. Ok, ça c'est cool. Ah, il y a 9000 hommes ici, donc je fais bien de me méfier un peu quand même. Ok, donc ça c'est géré, il n'y a pas de problème. Alors là, je surveille l'arrivée des... Le retour. Pour l'instant, il n'y a personne. Le retour des... De la République des Deux Nations. C'est un peu ce qui me... C'est un peu ce qui va me déranger, je pense. En tout cas, on est prêt s'ils reviennent. Ce qui m'embête, c'est ça, là. Faut vraiment qu'on finisse par signer, là. Ce qu'on va faire avant de signer... J'aimerais... En fait, j'aimerais les passer dans le rouge, mais... Le problème, c'est que s'ils prennent un fort, là, ils vont nous pourrir notre score de guerre. Ils en sont à combien, là? Putain. Ah, ils ont pris. Trop tard. Bon, le score de guerre a pas non plus trop bougé. Voilà. Donc là, voilà, j'ai le chiffre requis. On va prendre ce qu'on a de meilleur. Et on va voir ce qu'on peut faire. Et après, il y a pas mal de points de victoire à faire, je pense. Ouais, c'est un peu là. Tout le monde se barre dans tous les sens. Là, il peut plus faire demi-tour. Ah, par contre, l'autre va le rejoindre. Ça m'arrange pas trop, mais. Ouais, on va gagner quand même. Heureusement, c'était un peu chaud quand même. Bon, c'est bien. On va refaire les sièges avant de faire quoi que ce soit. Du coup, là, il a que 9000 hommes, je crois, j'ai vu. Donc ça devrait gérer. On n'a pas besoin de plus. Le problème, c'est qu'on sait pas trop où ils sont, évidemment. Ah, non, toujours pas. Là, on va signer la paix. On peut y aller. Je pense qu'on a amélioré. On a fait 9 points. On va attendre. Faudrait vraiment les passer dans le rouge. Honnêtement, il reste pas grand-chose à mon avis. C'est bête qu'on n'ait pas pris ça là, pour le coup. On va surtout attendre l'arrivée de la République des Deux Nations qui devrait pas non plus trop traîner, je pense, parce que ça fait pas mal de temps qu'on les a. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a des points rouges, mais qui correspondent pas à ce qu'on attend. Ok, là, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, comme on vient de les écraser, là, ils sont en déroute. Voilà, on va s'élargir un peu. Là, j'ai... les 9000 sont là. C'est chiant, je peux pas trop y aller avec 10 000 hommes, j'avoue. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est une colonie encore. Ouais, en termes de points de victoire, ça doit coûter que dalle. Ou rapporter que dalle, ça dépend comment on voit ça. Alors, je voulais juste voir un truc.
19, on commence à être bien là. On peut prendre cette province-là par exemple. Là, je vais faire une revendication ici. Alors là, est-ce qu'on peut prendre ça en l'occurrence? Je pense que oui, hein. 8 ans, ça nous donne largement le temps. Je vais. Non, je vais pas dépenser des points tout de suite, j'attends d'avoir fini cette guerre. On est à 12, ça augmente, mais tant que les Français seront pas dans le jaune, je pense qu'on n'obtiendra vraiment rien d'intéressant. Bon, ça, je les laisse pour l'instant reprendre. C'est un peu con, mais je pourrais aller les chercher. Mais le problème, c'est que s'il y a la République des Deux Nations qui débarque, là, ça va un peu me pourrir l'ambiance. Ok, ça, c'est bon. Ok, stop, 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 stop. Ok. Ah, ils veulent pas passer dans le rouge, hein, ceux-là. C'est un peu chiant. Ah, ça, c'est bien, on continue. On va se regrouper un peu. Ah, ça, c'est mon artillerie qui est sortie toute seule. Donc là, c'est un peu chaud. Ok, ça, c'est toujours pas. Alors là, on va se diviser. On va prendre la moitié de les troupes. Ok, donc ça change pas grand-chose au score de guerre, mais l'avantage c'est que ma colonie va pouvoir refaire des troupes maintenant parce que j'ai quand même libéré pas mal de territoires. Parce que là, elle était un peu morte, il faut bien le dire. Ça peut pas être la joie financièrement parlant. Donc c'est plutôt cool comme ça. J'arrive pas à le mettre dans le rouge. Hein. Bon, on pourrait lâcher l'affaire ici. Ok, on va lâcher l'affaire comme ça. Ok, c'était surtout pour éviter la croissance de la coalition plutôt qu'autre chose. Mais bon, au passage, j'ai pris quelques territoires en plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les troupes derrière le fort. Lui, on peut le laisser là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer, je pense, la Makuri assez rapidement. J'ai deux revendications. On ira un petit peu plus loin que deux revendications, j'avoue. Pour essayer d'avancer un peu. Non, ça, s'il veut, je m'en fous un peu. Bon, évidemment, là, les Français vont revenir, donc attention. Mais le score de guerre commence à être pas mal. Je pense que là, les Français sont dans le jaune. On devrait commencer à pouvoir discuter de choses intéressantes. Alors, on va déjà voir ce qu'on veut. Et là, il me faut au moins, je dirais. Au moins ces territoires-là. On n'est pas si loin que ça. Celui-là pourrait être en contact avec les Indiens, là. Ouais, on est vraiment. Ah, ouais, quand même. Il nous reste Il nous reste un fort à prendre ici. On est peut-être pas si loin que ça de la paix. Faut voir. Je doute de pouvoir le passer dans le rouge, comme il se passe rien, grosso modo, dans cette guerre. Je doute que ça finisse par arriver rapidement, parce que, évidemment, s'il se bat pas, ça, on va le rapatrier là. Ça, on s'en fiche. Et ça, faudrait que j'empêche que ça arrive, mais on est en train de traverser là, on arrive. C'est pas la peine de gagner des points d'un côté pour en reperdre de l'autre, j'avoue. Ouais. Alors là, on va quand même essayer d'avoir un peu plus de troupes avant de faire ça. Il bouge pas en fait là. Ouais. Ça m'étonne un peu, mais. D'un autre côté, là, il va bouger parce qu'il sent bien qu'il y a un problème. D'un autre côté, je garde un œil ici, voir s'il y a un point rouge qui apparaît. Parce que un point rouge, ce sera évidemment nos chers amis de la République des Deux Nations. Mais ils ont franchement l'air pas trop motivés pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt cool. Je crois que ceux-là, je vais les attaquer tout de suite.
Ah, peut-être pas, parce que dans la signature de paix avec la France, faut vraiment que je sois, comment dire, à mon avantage, quoi. Par contre, ce que je vais faire là, il n'y a plus personne ici, j'en suis persuadé. Et c'est eux là qui vont aller résoudre ce problème-là. Ok, donc là, on va avoir une bataille importante. D'abord parce que c'est des vrais Français, là, les 10 000. Bon, ça fait pas non plus le café, 10 000 hommes, mais si ça peut les rapprocher du rouge en les épuisant, c'est de toute façon la seule chose que j'ai, donc autant prendre ça. Ouais, par contre, ce qu'on va faire, on va quand même venir en marche forcée parce que tout d'un coup, je me sens moins à l'aise. Même si les Français ont pas l'air très compétitifs pour le coup. Est-ce qu'on peut passer là? Ah, je crois qu'on va les poursuivre en fait. Ouais, ça dépend jusqu'où ils vont en fait, mais. Ah, ça c'est cool, on va en lancer une autre. Là on va vraiment avoir. Tiens, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. D'abord on va avoir notre colonie, mais en plus on aura direct notre marchand après. Puisque. On va récupérer tous les territoires français. Enfin, bon, après, si on finit par gagner la guerre, hein, mais je pense que quand même c'est bien parti. Ouais, je sais pas, je crois qu'on les rattrapera pas comme ça. Donc plutôt de leur courir après pour rien, on va prendre des territoires. Ok. Bon là, il y a 1 000 hommes. C'est un peu chiant, j'avoue. Il faudrait au moins qu'on soit à 20, je pense. Ça, pourquoi pas. On est revenu dans le positif, parce que j'ai pas réussi à me débarrasser de 5 000 hommes, je crois. Ou alors je construis les bâtiments qui vont bien. Ah non, mais là, j'avais dit 5 000 hommes, mais en fait, je suis beaucoup plus que 5 000 hommes, putain. Ouais, c'est vraiment un problème, ça. Comment je vais faire? Je crois qu'après la guerre, malheureusement, faudra que je me débarrasse de pas mal de monde. Je crois que je vais pas être. Je vais pas y couper, quoi. Ok, ça c'est fait. Là, on va y aller, on va se diviser parce qu'ils vont revenir, mais je pense que c'est pas fait quand même. Ils viennent de se prendre une petite claque, on va dire. Allez, on est presque à. Alors ça, on va s'occuper d'eux par contre. Pour le score de guerre, honnêtement. Faut que je gratte encore, à mon avis, au moins 2-3% comme ça. Là, c'est une capitale, donc ça vaudra peut-être un peu plus cher. Capitale d'une colonie, hein, ça reste limité quand même comme score, à mon avis. Ah merde, ça c'est chiant. J'ai pas trop d'argent en ce moment. Je vais prendre celui-là en fait parce que j'en ai besoin pour la coalition. C'est un niveau 1, je sais. Ah, allez, voilà. 37 000. Alors on va reculer derrière le fort, hein. Même si pour l'instant je crains pas grand-chose. Je crois que je vais venir avec tout le monde parce que je le sens pas du tout en fait. Tout à l'heure, la bataille a été éclair, mais. Ce que j'en ai vu, c'était pas très rassurant en fait, donc je me méfie. Et merde, on les a loupés là. Comment on a fait pour les louper comme ça, quoi? Ok. Ok. Pour l'instant, ils sont que 37 000, donc ça va. Rien de trop problématique, je dirais. Putain, ils vont me faire tourner bourrique, quoi. Mais ils se déplacent à une vitesse par rapport à moi, quoi. J'ai l'impression de me traîner. C'est impressionnant. Ok, donc tout ça, ça peut remonter. On est qu'à 19, hein, sérieux. Ah, j'ai l'impression qu'il y a deux points rouges là. Non, il n'y en a qu'un. Ouais. Ah, ils vont remonter dans l'autre sens, je parie. Putain, les chieurs. Du coup, on va repartir par là. Non? Si? Peut-être? Non, ils ont l'air d'hésiter là pour l'instant. Ok, ça c'est bon. Oh, ils sont ressortis par là.
Ah, est-ce qu'on peut pas avoir des paix blanches d'ailleurs, avec des gens qui seraient pas du tout intéressés par cette guerre? Moi, non, pas du tout. C'est dommage. Ça, on va le mettre là. Allez, ils commencent à être nombreux là, ils ont 5000 hommes de plus, je sais pas d'où ils sortent. Alors du coup, il fait quoi là? D'accord, il va par là. On est à 20, hein. On a tapé les 20 là. Oh, putain. Je l'aurais pas eu. Hein. Bon, ça coûte pas très cher la marche forcée, j'avoue, c'est pas non plus la mort. Mais c'est très énervant. Du coup, il va ressortir par là, je crois. Donc, on va se méfier. Je vais même pas prendre cette province. Je sens le piège pourri. Oh, par où? D'où ils viennent? Ils ont l'art pour m'emmerder. Ils vont pas nous échapper, ceux-là. Ça, on s'en fout. Donc là. Ah oh putain, là il commence à être nombreux. Donc c'est là qu'il va falloir faire gaffe qu'il ne nous saute pas dessus sans qu'on s'en rende compte. Ça aurait une légère tendance à retarder la signature de la paix. On est à 20 déjà. Ouais, en plus là, on devrait bien les avoir là pour le coup. Du coup, ah, par contre, ils vont être nombreux. J'ai bien fait de venir avec du monde. Ok, ça c'est fait. Donc là, évidemment, cette fois, ils sont là. Donc ça m'arrange. Sauf que j'ai pas de leader, évidemment. Si, c'est bon. Eux, ils vont venir. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc du coup, là, eux, ils peuvent repartir là, puisque finalement, on a localisé l'armée ennemie. Eux, c'est bon. Ah, on est toujours qu'à 20%. Ah oui, mais la bataille n'est pas finie. Ouais, 0,44, évidemment, ça fait pas des. Par contre, ils vont par où là? Ouais, ils vont par là. On va se regrouper, on va rester en marche forcée et on va essayer de se faire cela. Là, ça c'est cool. 0,20, évidemment. Alors, je sais pas trop où ils vont fuir, mais peu importe. C'est bon. Là, on les surveille de loin. Faut vraiment les éviter. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, j'ai pas été capable de lui détruire vraiment d'armée. Et ça, c'est vraiment chiant, je trouve. Voilà. On devrait. Combien ils sont? 8000? 8000 contre 30 000. Putain, comment ils arrivent à être aussi rapides que ça, quoi? C'est quoi ma marche forcée là, qui avance pas? Un truc qui m'échappe là, j'avoue. Ah, cette fois. Voilà, on n'est pas performant. Hein. Pff, là, on les a eu quand même, j'avoue. C'est pas trop tôt. Bon. Ok, là, c'est bon. 21, c'est pas mal. Ok. Alors là, on obtiendrait exactement ce qu'on veut. Ça casse pas des briques quand même, j'avoue. Mais ça me permettrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh putain, c'est juste. Non, il me faut ça en plus en fait. Ouais. Il me faut ça en plus pour être au contact avec les Quitos, là, les Quito, et espérer leur faire une guerre rapidement en fait. Là, on va essayer de faire cette bataille et après on va supprimer. Ouais, on va essayer de faire cette bataille et après on va supprimer des troupes, je pense. Ça nous fera des vacances. Et ça nous fera faire des économies. Ouais, malheureusement, si je vais là. Ouais, c'est bon. On va regagner un peu de morale, donc on devrait gagner. Voilà, là ils viennent. Du coup, s'ils viennent, on va reculer derrière notre fort. S'embêter. Alors là, je sais pas où ils vont. Ça m'inquiète un peu, donc on va remonter ici.
sais pas où ils vont en fait, et ils vont... Ça, on s'en fout. Voilà, donc ça va m'intéresser. Ouais, je trouve qu'on est... Les Français ont l'air moins bons que les... Que la République des Deux Nations, honnêtement. Ouais, je pense qu'on n'arrivera pas à les passer dans le rouge, hein, parce qu'il y a tellement peu de combats. Là, honnêtement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On aura notre marchand. Bon, ça, je récupère ça, peu importe. Je peux pas espérer grand-chose de plus. De toute façon, en Afrique, ils ont rien. Donc, comme ça, c'est clair. Donc, ça me va pour l'instant. Et de toute façon, c'était une mauvaise surprise d'avoir vu débarquer la République des Deux Nations. Donc, je m'en sors plutôt pas mal. L'objectif est réalisé, j'ai pas fait de conneries, donc déjà c'est bien. Du coup, faut que je légitime, mais je vais pas. Normalement, j'ai pas besoin de légitimer le dernier. Je suis pas super sûr en fait, parce que comme on n'a pas les deux autres colonies, je vais légitimer. Ah non, non, putain, quel boulet. Le pays est déjà créé. Le pays est déjà créé, donc en fait, je passe une journée. Et tout va disparaître normalement. Alors pourquoi pas celui-là? Ah non, non, celui-là c'est normal. D'accord, ok. Bon, c'est cool. Objectif.